Je suis médecin. Cher papa, j'ai décidé d'arrêter de voler pendant quelques temps. J'ai trouvé un travail de nuit dans un hôpital et j'ai rencontré des gens vraiment très sympas. Ça fait du bien de retrouver la terre ferme, de se réveiller tous les jours dans le même lit. Et peut-être même que je trouverai quelqu'un qui partagera ma vie. Sait-on jamais. Fac de médecine de Harvard, reçu premier. Hôpital pour enfants de Californie. C'est un curriculum impressionnant, Dr. Connors. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai besoin que d'un responsable de l'équipe de garde aux urgences entre minuit et 8 heures du matin. Quelqu'un pour materner 6 internes et 20 infirmières. Mais je doute fort que ce poste vous intéresse. Eh bien, on m'a toujours laissé choisir mes infirmières jusqu'à présent. Docteur Connelly. Docteur Harris. Présent. Docteur Ashland. Docteur Connors, vous ferez l'appel tous les soirs? Mais bien sûr, Docteur Ashland. Et si vous êtes en retard, j'exige un mot de vos parents. Mademoiselle Bassman. Mademoiselle Miles. Mademoiselle Strong. Oui. Infirmière Brown. Infirmière Sanford. Présente. 30 mg de codéine toutes les 4 heures. Réglez le plasma sur 60 gouttes par minute en attendant qu'on calcule ses besoins liquidiens. À combien estimez-vous le degré et l'étendue des brûlures, Kitter? Deuxième et troisième degré sur environ 20% de la surface du corps. Vous confirmez? Je confirme. Montons-le en pédiatrie. Bonjour, Brenda. Bonjour, Docteur Connors. Vous devez signer ça. Merci. Vous ne voyez rien qui ait changé chez moi, docteur? On vous a enlevé votre appareil. Oui. Allez, venez, que je vous ça. J'ai essayé de vous le montrer toute la nuit. Waouh. Excellent travail. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de ne plus l'avoir? Moi, ça m'a fait tout drôle après. Je me passe sans arrêt la langue sur les dents, j'arrête pas. Elles sont tellement lisses. C'est agréable. Oui, c'est incroyable. Eh bien... Je suis désolé. Il y a un médecin au service des urgences. On ne sera pas dérangé. Mais s'il est en chirurgie... Vous croyez que je dois y aller? Oh, Docteur Connors, venez. On va faire un jeune pansement. Descendez-le en radiologie. Et voilà, reposez-vous. Ça va aller. Messieurs, quel problème avons-nous? Accident de vélo. Fracture du tibia à environ 12 cm de la rotule. Docteur Harris. Oui? Vous confirmez? Confirmez quoi, monsieur? Ce que le docteur Ashland vient de dire, vous confirmez? Ah, oui, c'est un accident de vélo. C'est ce que l'enfant nous a dit. Alors, vous confirmez? Confirmez? Je crois qu'il faut faire une radio, puis suturer la plaie et poser un plâtre de marche. Ne bouge pas, monsieur. Docteur Panther en cardiologie. Docteur Panther. Excellent, docteur Ashland, excellent. Bien, je vois que vous pouvez vous passer de moi. Continuez. J'ai fait une bourde, hein? Pourquoi j'ai pas confirmé?